Bonjour, la famille est toujours Guilmas dans les analyses vraies. On a toujours dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. De grands hommes sont toujours objets de critiques. Mais Fali, tu t'es fait un petit homme. Avant, je te croyais comme un grand homme. Les grands hommes sont toujours objets de critiques. Tout le monde a cas. On a toujours vu les grandes personnalités être critiquées. Les présidents, les leaders sont toujours critiqués. Joseph Kabila est l'objet de critiques chaque jour. On a dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais toi, tu n'es pas un grand homme. Regardez, ça nous montre que derrière toi, il n'y a même pas une grande dame. Ce sont des vérités qu'il faut vraiment dire haut et fort. Comment expliquer qu'un homme public, une personne publique, sans être insulté, sans diffamation, juste parce que le monsieur Gauthier nous a révélé des vérités, soit disant que tu n'avais pas signé avec Vivendi pour jouer à l'ouverture de la francophonie, ça te rend malade, Fally. Pourquoi tu deviens agité, tu deviens aigri à ce niveau-là? Le journaliste professionnel Gauthier Seye, il a le droit de faire des investigations. Il fait des investigations et il a vu, c'est vrai que tu n'as pas signé avec Vivendi. C'est le même monsieur qui nous a dit que pendant votre répétition, il n'a pas été seul. Il y avait d'autres personnes qui témoignent jusqu'à aujourd'hui que Fally n'a pas été à la hauteur de répéter ses propres chansons avant l'ouverture de la francophonie. Alors, ils ont été obligés à jouer l'autotune pour qu'ils soient capables d'interpréter ses propres chansons dans l'ouverture de la francophonie. Où est le mal que ce monsieur a dit? Vous êtes toujours là pour mentir l'opinion, désorienter l'opinion mentale. Aujourd'hui, nous avons les personnes qui commence à nous amener des réalités. Il faut que les Congolais s'habituent à des réalités. Vous êtes beaucoup menti, ou vous êtes toujours menti pendant plus longtemps. Aujourd'hui, quand il y a des personnes qui vous amènent des réalités, des vérités noires sur blanc, vous n'êtes pas capable d'assumer des vérités. Mais Gauthier Seye, il devient maintenant héros de la vérité dans la musique congolaise. L'homme qui n'a pas existé pendant longtemps, on ne le connaissait pas. Mais grâce à Fally Ipupa, nous avons connu un monsieur Gauthier Seye. Grâce à la francophonie, nous avons connu la réalité et des vérités qu'on nous cachait avant. Aujourd'hui, ces réalités-là sont révélées. Fally, avec tous mes respects que je te dois, le président des jeux de la francophonie, le noir là, il a décortiqué tout devant les médias congolais. Tu n'as pas signé avec le Vivendi. Pourquoi osako s'acharner avec les petits? Tu ne veux pas t'acharner contre les grands. Vous voyez politique à deux mesures, deux poids, deux mesures. Fally, quand j'ai toujours dit que tu es entouré, tu as construit ta musique avec des mensonges. Les gens qui sont à côté de toi, ils ont menti la population jusqu'à ce que vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, la vérité. Quand les gens commencent à relater des réalités sur la musique de Fally, ils deviennent aigris, ils deviennent fâchés. Quand on dit que Fally ne sait pas chanter, quand on dit que Fally, sa voix a toujours été aidée par les autotunes, par les instruments. Même Papa Wemba Paix à son âme, il avait dit que Fally, c'est trop de machines. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi tu ne t'avais jamais attaqué à Papa Wemba? Nous, ici, on dit chaque jour que Fally, tu ne chantes pas bien. Ce n'est pas grave, tu ne chantes pas bien. Tu n'es pas le seul, Fally. Il y a beaucoup de personnes qui ne chantent pas bien, mais ça sort bien quand même. Je vais te donner l'exemple. Paix à son âme, Manu Dibango. Il n'est pas un grand chanteur, mais il a fait son nom. Alors, Fally, faut accepter que tu ne sais pas chanter, mais tu as eu la grâce, tu as eu la chance d'être connu. Tout ce que nous disons, c'est de reconnaître la grandeur et la formation que tu as reçue chez Koffi Olomide.
Il t'a très bien travaillé, il t'a très bien fait pour devenir chanteur aujourd'hui. Malgré que tu travailles avec des instruments, quand même, on sait que Koffi Olomide a beaucoup fait pour que tu sois Fally Ipupa. Il faut accepter des réalités. Il faut accepter des réalités. La vérité est têtue, mais elle restera toujours la vérité. Quand je vous ai toujours dit, encre correcteur est là, bic et rouge, ange de lumière, je suis là pour donner des réalités, pour vous relater des vérités. Métier, Gauthier Seyi, à ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste congolais, précisément, il est dans les analyses politiques. Mais comme les Jeux Olympiques sont liés à la politique, il devait apporter son point de vue. Lui, il était pendant les séances de répétition. Il a vu Barbara Pravi faire des répétitions. Il a vu le Bill Clinton. Il a vu tout le monde. Pour le mal est que le monsieur Gauthier, il a relaté des vérités. Les échecs de Fally Ipupa devant les caméras. C'est là où ça fait débat. Mais pendant que tout le monde est faillible. Et puis le monsieur là, comme il est intelligent, monsieur Gauthier Seyi, il a dit peut-être Fally était fatigué. Peut-être sa voix était cassée. C'est pour cela qu'il n'était pas à la hauteur de chanter. Il s'est bien exprimé et il a donné des motifs qui pourront causer la faiblesse artistique de Fally Ipupa. Il s'est exprimé valablement. Il a donné des raisons pour lesquelles peut-être Fally n'a pas été à la hauteur. C'est pour cela qu'on a utilisé des autotunes pour que ces instruments-là puissent l'aider à livrer les concerts. Il n'y a rien de mal, rien de mauvais. Mais pourquoi l'entourage de Fally et lui-même s'accapare de la situation et commencer à traiter le monsieur-là de mauvais. Et puis le monsieur, comme il est malin, intelligent, on a toujours dit, être intelligent, c'est bon. Être intelligent, c'est tellement bon, c'est vraiment bon. Le monsieur-là a dit, je suis en train de faire les enquêtes sur les disques d'or de Fally Ipupa. Il y a beaucoup de sortes d'obtenir les disques d'or selon lui. Alors il est en train de faire les enquêtes et il va nous donner les réalités des disques d'or de Fally. C'est là où tout est gâté. Ces propositions-là ont gâté beaucoup de choses. Fally, c'est comme si maintenant il veut faire taire Monsieur Gauthier Seyi. Il ne veut pas que Gauthier puisse aller faire des recherches. Il ne veut pas que Gauthier puisse aller faire comment on dit ça, j'ai oublié les mots, des enquêtes sur les disques d'or de Fally Ipupa. Pourquoi tu es agité, Fally? Pourquoi tu n'es pas serein? Si tu sais que les disques d'or sont vrais, que tous les disques d'or que tu as, ils sont vrais, que ce soit les disques de platine, d'or, si tu y en as vraiment, si c'est vrai, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es agité? C'est ça, ce sont des réalités qu'il faut vraiment dire à Fally Ipupa. Si vraiment il sait que le disque d'or est vrai, pourquoi il a peur? Vous les Wario, vous n'avez pas de l'intelligence. Vous les Wario, vous êtes là pour insulter. Vous les Wario, vous ne comprenez pas les analyses. Vous ne prenez pas le temps d'écouter les gens. Vous ne comprenez pas le temps d'analyser les dires de certaines personnes. Monsieur Gauthier Seyi, il est en train d'aider Fally Ipupa. Puisque Fally, il est tombé trop bas. Alors ce monsieur-là est en train de le relever, de le pousser de l'avant, de laisser les mensonges et travailler dans le vrai. Est-ce que vous voulez Bobawario? Bozo sepela komona ka Fally na balukuta ya boy. Est-ce que Bozo sepela komona Fally a kosa kabato? Soki eza mutu oyo aza na posa ya komona resite ya Fally, eza bato baza koyebisaka Fally vérité. Soki ozoyebisaka Fally vérité, tu es dans les bons, tu es parmi les gens qui l'aident à évoluer. Mais les gens qui entourent Fally, tous ces bouffons-là, tous ces les petits bandits, les petits mandias-là, si batouana bazawana pona mbongo, pona eloko mususute, bazawana pona mbongo. Pour eux, c'est de l'argent et faire plaisir aux Wario, sans pourtant aider Moutou Oyo à sa naposa ya aide. Mieux vaut battre la 10 personnes, mais message n'a pas fallu à ça les langues et comme ça ici place Moussou sous Nicolo.
ke mutu ayoka bilobela ya ba petit ba voyou voyou ba deleka wana qui vient de nulle part juste pour se soutirer de l'argent na maboko ya ba ya ba wayo na ba visibilité à YouTube pendant que baza ko faire tomber Fally Ipupa. À chaque fois que boza ko louer Fally ba œuvre na ye ya bien o tozo monate boza ko bébé sa carrière na ye bino bokani so mutabeti 10 stade ne kozala meilleur. Bino bokani si ko beta soki combien de stars combien de concerts de kozala ni kozala meilleur dans une chanson chanter ba chant na ba spectacle na musique ezale eloko mususu est-ce que fallait le kilo kwa kanza to tie lo kwa kanza musicalement ko yemba na musique est-ce que yako kokana na lo kwa kanza so mais lo kwa kanza musique ya ba concert oto yebi ya beta ka izate me na poto beta ka mingi makasi oya biso ya kikongole asana kati na ba buzoba wana te bino bozo tia Fally na buzoba bozo sangise na ba désordre belé Fally aza mutu moko boye soki ayoka ka ba idéologie na biso nde Fally lelo aza musika pena et puis nde Fally lelo aza na ba composition ya bien Fally atake musika aza ko yemba na beti ba concert belé ba basta de belé mais banzembo ezotika lesate banzembo oyo Fally akolo bakeno lelo na tiki muziki mwana na ngaye mbata nzembo moko botala mwana ne asuka wana ya mwana mwasi bana koyemba enku boko sepela mwana ya Fally ya mwasi ya mwana mwasi ona soki malika soki nani abanda koyemba nini serve ayokobomanga pamba mama e okobomanga mwana mwasi ya ba ajor abanda koyemba banzembo wana Fally akozala mala lese ye moko ayibike banzembo wana eza banzembo eza ko détruire mers ya bato mais bino sika boza wana pona koloba ayembi bien banzembo wana eza, yo papa oza koloba banzembo ya Fally eza bien oza capable ya koyemba nzembo wana pembeni ya mwana wa mwasi ya 10 ans obi okobomanga pamba ozoka taper loket okokoka yango soki oza incapable ko yemba nzembo wana pembeni ya mwana na ya 10 ans c'est que Fally azosala mabe aza kobebisa jeunesse mais soki oza capable ko yemba nzembo wana wana eza kamususu ezana bato bazana ko réfléchir ezana bato bazako er bazako yoka ba analyse na biso bazako yoka quelque chose ya bien toza ko sala ba analyse te pona kobebisa carrière ya Fally parce que Fally a une visibilité mais ce qui a memi pe ba nzembo éducative lokola ba nzembo ya Inosbi Fally nde azan azawa te parce que ba nzembo ya Fally er ba baza ko kende ko na lyrics wana bazoyo ba chelis ki ba tali signification ba nzembo mais ezana signification te ezana nzembo ya ba aja puberté bana mike mutu mukolo oyo aza na ba capacité pena intellectuelle ya solo akoyoka ba nzembo lokola inkute ekobeta nango ezoyokana mais est-ce que za nzembo oyo pena okiko sentir ke nzembo oyo eza nzembo ba papa wemba ba renyana mais ba nzembo baza kotika ba nzembo ya bien nzembo lokola nini ba nzembo lokola album mobimba ya 10e commandement eza na bêtise te banzembo lokola mokilingele nzembo ezo sala succès ti lelo nzembo ezo sala kaka succès banzembo écriture kitoko rythme kitoko makambutu kitoko ezo beta ba inosbio ba yeka kasika inosbio za ko beta nzombo banzembo lokola bayope ba ozo beta mabe banzembo lokola meme banzembo ngo ezo yoka na ko leka kutu banzembo ya Fally ezana ba nombre ya visibilité makasi ko leka nzembo ya Fally mais ya Fally oyo bozolo bakiaza danger ezoka na pete ezande ba makelele ya ba petit bandi oyo baza entouré na pembeni ya Fally ba oyo baza wana mpona ba visibilité yango ne balobelaka omoni bana mike oyo baza bana age ya puberté banzembo na bango wana bango bato bayokaka mpe soki otali bie ba oyo balobelaka Fally bayokaka banzembo wana te mpo eza impossible oye par exemple nga nakende kotia nzembo lokola service pembeni naza na mama na nga tozoyoka banzembo lokola service mais ça n'a pas wa ro bazar réfléchi ba bi ke Fally eza chance moko esala mais ce bandi ko tia ba nzembo oyo par exemple bo chebo Fally côté composition aza zero so bo che ba nzembo eri ke pa kuta mikolo ko mikorenye makasi bo che ba nzembo na lokola ba gombe na gombe bala kayote ba baraker ba nzembo ana est-ce que Fally aza na capacité ko imba ba nzembo bongo texte ya boy
lokola désolé à héritier. Est-ce que fallait la capacité que tu as la clip et lokola nzembo ya désolé à héritier? Mais bino tellement que bolinga na bino le vérité te bolinga ka bato ba koya bandi ko kosa ko sa falaza danger falaza boy fali soki boy wana nde bozo sepela nango mais na réalité soki bo bandi ko fanda bo boyo ka pe ba analyse kitoko analyse ko pese la bino pe moi quelque chose bolinga ka te yango bolinga ka ba bêtise na mutu na bino fali yango akoma ko memela bino ka ba bêtise ba nzembo ya ba bêtise parce que yango bino bozo linga. Malheureusement, ça kobosa rekaza na ba na basi soki pli de 4 na famille na ye. Bana wana baza koyoka banzembo wana. Sika soki mwana wana abandi kolo baba bêtise yako pekisa nenge nini. Parce que ça ko tolérer ye déjà ça ko promouvoir ba bêtise. Papa ça ko promouvoir banzembo ya sanité, mwana soki asali sanité, fala ko pekisa nenge nini. Parce que ye aza promoteur déjà sanité. Mbatu nyoso fo balanda parce que ba ba fan. Il faut balanda exemple na ye, donc il faut bozala batu ba sanité bino nyoso. Ngana lobi na ngana ba ndenge ya logique. Gotye sei abimi champion, akomi héros, abimi vedette ya sanza oyo. Ane mobimbo pe kozala meilleur journaliste parce que alelisi pe na fali, aningisi fali, a faire trembler fali. Tozo landani to kutana na video mususu, to kosolo la kaka. Namtu na bino toujours. Ancré correct.